Bonjour à tous. Dans cette série de vidéos, nous allons, à partir de sujets d'examen, voir des fonctions importantes d'Excel. Donc en lien, vous trouverez le fichier qui s'appelle Employé.excel. Donc on nous dit on a un tableau qui est sur la feuille Employé, donc c'est la première feuille, avec donc comme données les noms, la distance domicile-travail, le type de véhicule de l'employé et s'il est à 80% ou pas. Alors première question, mettre les données sous forme de tableau automatique ayant pour nom data, c'est-à-dire obtenir un tableau qui se mettra en forme donc, tout seul et qui aura un nom. Bien entendu, vous pouvez faire pause et chercher par vous-même, et je vous donne tout de suite la solution. Donc une mauvaise idée est d'essayer de sélectionner les données, soit en cliquant sur les noms de colonnes, soit en utilisant la souris. Il est beaucoup plus simple de cliquer uniquement dans le tableau. Ensuite, dans Accueil, vous choisissez Mettre sous forme de tableau et vous choisissez un modèle. Vous remarquerez qu'automatiquement, l'ensemble du tableau est sélectionné. Mon tableau comporte bien des entêtes, je fais OK. Je sais que tout s'est bien passé parce que lorsque je clique donc dans ce tableau, je vois marqué ici Tableau. Et je peux donc à gauche donner un nom à ce tableau, donc on nous disait Data. Deuxième question. Compléter à l'aide d'une formule la colonne F, donc nombre de jours, par des 4 si la personne travaille à 80% ou des 5 sinon. Donc on a le visuel, lorsqu'il y a un oui, je veux un 4, lorsqu'il y a un non, je veux un 5. Lorsqu'il y a un choix avec deux possibilités, il faut penser donc à la fonction SI. Alors il est important de voir que la fonction SI n'est pas toujours obligatoire. Imaginons par exemple que je me demande quelles sont les personnes qui travaillent à plus de 50 km de leur domicile. On pourrait imaginer une formule comme si la distance est plus grande que 50, à ce moment-là, j'écris par exemple oui, sinon j'écris non. Bien ça, ce n'est pas du tout obligatoire, il suffit de faire égal, donc une formule, je clique sur la distance domicile-travail et je demande est-ce que cette distance est supérieure ou égale à 50. Donc, je fais juste le test, mais je n'ai pas l'affichage oui-non. Qu'est-ce que je vais avoir en retour Je vais avoir des faux ou des vrais. Donc, c'est suffisant. Je sais que lui et lui sont vrais. Donc, ce sont des gens qui travaillent à plus de 50 km de leur domicile. Donc, on voit qu'il n'est pas du tout nécessaire d'utiliser une fonction si pour obtenir la réponse. Alors, revenons à notre question. Donc, moi, ici, je veux un 4 ou un 5. Donc, effectivement, je vais être obligé d'utiliser un si. Car dans la cellule, je ne veux pas voir seulement vrai ou faux, mais je veux un visuel avec un 4 ou un 5. Donc on va aller dans Formule, ensuite Logique, et on va utiliser le Si. Donc c'est à ce niveau-là qu'on se rend compte que la fonction Si sert uniquement de décoration, c'est-à-dire que si le test est vrai, eh bien il va afficher quelque chose, et si le test est faux, il va afficher autre chose. Mais en soi, le test est suffisant. Donc, ici, le test, c'est est-ce que la personne travaille à 80% Donc, je vais cliquer ici en E2 et est-ce que E2 est égal au texte Donc, je mets des guillemets, oui, écrit en minuscule ou en majuscule. Je ferme les guillemets et j'ai ma réponse. Donc, là, il me dit c'est vrai, cette personne travaille à 80%. Si c'est vrai, qu'est-ce que je veux voir apparaître Donc, quelle est la décoration La décoration, c'est de voir un 4. Et si c'est faux, je veux voir un 5. Et donc j'ai terminé. Je clique ici sur terminer. Et j'ai bien des 4 en face des oui et des 5 en face des non. Troisième question, on nous dit en utilisant le tableau qui est sur la feuille tableau forfait, donc là on a cette feuille avec un tableau, retrouver en fonction du kilométrage et du type de véhicule, donc en fonction des kilomètres et du type de véhicule. Le montant du forfait donc, que va recevoir la personne. Et donc on mettra le forfait en colonne G. Donc par exemple, Rodriguez qui a 30 km et qui a un véhicule de type D aura un forfait de 60 euros. Alors pourquoi Donc le véhicule de type D est ici. Et s'il est à 30 km de son domicile, c'est qu'il est donc entre 20 et 50 km. Donc il est ici avec le forfait pour 20 km. Donc à l'intersection des deux, j'ai bien le 60. Donc, on doit voir apparaître un 60 ici et de la même façon, on aura les autres forfaits en dessous. Alors, on nous donne un conseil, utilisez les fonctions équive et index. Alors, comment ça fonctionne Donc, reprenons l'exemple de Rodriguez qui est à 30 km de son domicile et qui a un véhicule de type D. Donc, la fonction équive va permettre de retrouver quel est l'équivalent de 30 parmi ces données-là, donc qui sont classées par ordre croissant. Donc le 30 va être entre le 20 et le 50, donc il va nous dire que c'est à la ligne 2. Et où est le véhicule parmi ABCD Donc là, il va nous dire le D, je le retrouve à la position 1, 2, 3, 4. Donc on va réussir à récupérer le 4, on va réussir à récupérer le 2. Et ensuite, dans le tableau avec tous les prix, il va nous dire ce qu'il y a à la ligne 2 et à la colonne 4, et donc nous dire qu'il y a 60. Ça, c'est index qui permettra de savoir quel est l'élément qui est à une certaine ligne et à une certaine colonne. Alors, pour se faciliter la vie, on peut donner des noms aux différents tableaux. Donc par exemple, celui-ci, je sélectionne donc les kilométrages et dans la zone nom, je vais taper par exemple KM, entrée. Donc maintenant, cette zone s'appelle KM. Les types de véhicules, donc ABCD, donc vous remarquerez que je ne prends pas le A1, je prends bien que les données. Je vais l'appeler par exemple type et l'ensemble des forfaits. Je vais l'appeler forfait et entrée. Alors si pour l'instant je le fais uniquement avec le kilométrage, je vais donc utiliser dans formule la fonction qui s'appelle équive. Donc dans recherche, j'ai équive et il va nous demander quelle valeur on cherche. Donc je cherche le 30 km. Où ça Eh bien dans un tableau que j'ai appelé KM. Donc je peux taper directement KM et je vois apparaître 0, 20, 50 et 100. Et en troisième paramètre, il me demande un type. Si vous tapez 0, ça veut dire que vous cherchez exactement la valeur 30 parmi les éléments de la liste. Et là, il nous répond Na, c'est-à-dire qu'il ne trouve pas 30 dans la liste. Si maintenant vous tapez 1, il va vous renvoyer 2, c'est-à-dire qu'il qui voit que ce qui se rapproche le plus de euh, 30, c'est le 20. Le 30 est entre le 20 et le 50. Donc là, c'est important, bien entendu, que ce soit classé par ordre croissant. Donc on va mettre 1 ici pour avoir une valeur approchée. Si je fais OK, donc il me dit que 30 est dans la ligne 2 du tableau et que 5,6 est dans la ligne 1. Effectivement, 30 est il correspond bien à celui-là, et quelqu'un qui a 5 600 km 600 de son travail est entre 0 et 20 km, donc il est bien sur la première ligne. Avant d'écrire la formule finale, je vais effacer ici, et je vais faire l'autre, donc équive, et cette fois-ci, je vais rechercher le type de véhicule, donc je clique ici sur le, le type de véhicule, où ça Eh bien, dans un tableau que j'ai appelé « type », donc je vois le A, le B, le C, le D. Et est-ce qu'il doit chercher à peu près D ou exactement D ben Là, bien entendu, il faut chercher exactement D. Donc je vais taper 0. Et là, il me répond 4. Donc plus précisément, il nous dit que le D est à la quatrième position, le B est à la deuxième position. Effectivement, le D est à la 1, 2, 3, quatrième position, et le B est à la deuxième position. Alors, il reste maintenant à comprendre la fonction index. Donc, j'efface et je vais toujours dans recherche et référence utiliser index. Donc, là, on va garder le premier qui correspond à un tableau avec un numéro de ligne et un numéro de colonne. OK. Donc, notre tableau, on l'a appelé forfait. Donc, on voit ici tous les forfaits. Et si je lui demande ce qu'il y a par exemple à la ligne 3 et à la colonne 4, il me répond 150. Donc, ligne 3, colonne 4, si je vérifie, 1, 2, 3, donc c'est celle-là, et 1, 2, 3, 4 ici, donc je suis à cette valeur-là qui est bien le 150. Alors, c'est parti pour la formule finale. Donc, on va commencer par index pour récupérer à la fin donc, le, le forfait. Donc, la matrice numéro de ligne, numéro de colonne, OK. Donc, la matrice s'appelle forfait. Le numéro de ligne, donc, c'est la fonction équive, donc on va taper équive. Quel est l'équivalent du kilométrage Où ça dans le tableau qui s'appelle Km, donc les kilomètres, et on a dit qu'on mettait 1 en dernier paramètre pour qu'il nous trouve à peu près 30 km et pas exactement la valeur 30 km. Et pour le numéro de colonne, donc c'est quel est l'équivalent du véhicule parmi donc point virgule tous les types de véhicules donc on appelait ça type et je veux qu'il me trouve exactement ce type de véhicule et pas à peu près donc là on met 0 comme dernier paramètre on voit apparaître un 60 ici donc je vais faire terminer donc là on sait que la réponse est bonne le 20 le 60 alors on va prendre par exemple celui-ci une personne habite à 60 km et un véhicule de type C on nous dit que le résultat c'est 120. Si la personne habite à 60 km, c'est donc cette ligne-là qu'il faut regarder, C, et c'est bien 120. Alors, quatrième question, on nous demande de compter combien d'employés sont à 80%, connaissant donc des contraintes qui sont en fait ici assez complexes à savoir, ils ont soit un véhicule de type B et ils travaillent à plus de 100 km, donc toujours à 80%. Soit un véhicule de type C et il travaille à plus de 50 km, ou alors un véhicule de type D et il travaille à plus de 20 km. Donc une première solution serait d'utiliser les filtres et d'aller compter combien sont à 80%, donc en filtrant ici, oui pour 80%, le type B et qui travaille à plus de 100 km. Alors on ne va pas le faire comme ça, parce qu'on nous dit d'utiliser une BD fonction. Alors qu'est-ce que c'est eh bien, ça va être d'écrire les conditions sous la forme d'un petit tableau qu'on appelle un tableau de critères. Donc, on sait que les employés sont à 80%. Donc, ça veut dire que le 80%, il doit être à oui. Donc, je vais sélectionner ces deux cellules, je vais les copier et je vais aller les coller, par exemple, ici. Donc, ce mini tableau me dit déjà que je veux, comme critère, que les employés soient à 80%. Maintenant, on va regarder le véhicule. Donc, ça peut être un véhicule de type B. Donc, je clique ici sur D1. Je fais CTRL et je clique sur B pour sélectionner les deux cellules. Je copie avec CTRL C et je vais le coller à côté. Donc, maintenant, ce tableau en français signifie que j'ai un employé qui travaille à 80% et en même temps, il a un véhicule de type B. Donc, sur cette ligne-là, vous pouvez le lire comme un E. Je veux qu'il travaille à plus de 100 km, donc je vais copier le titre qui est ici, je vais le coller à côté et pour expliquer que c'est à plus de 100 km, je vais écrire supérieur à 100. Donc je viens de traduire sous forme d'un tableau la première condition, 80 type B et travaille à plus de 100 km. Maintenant, il faut ajouter les autres types d'employés. Donc qui sont également à 80 mais avec un véhicule de type C. Et à plus de 50 km. Et eh bien en dessous, on va remettre le oui, donc soit vous le tapez, soit vous faites un copier-coller. Ici, on va marquer C, et là, on va marquer supérieur à 50. Le fait que ce soit sur une autre ligne, ça signifie ou. Donc j'ai ça et ça et ça, ou alors ça et ça et ça. Donc bien entendu, on fait pareil pour la troisième condition. Il faut qu'il soit à 80% type D et qui travaille à plus de 20 km. J'ai fini pour la traduction de cet énoncé. Maintenant il faut répondre à la question compter combien de personnes dans mon tableau vérifient la condition qui est ici. Pour ça, on va utiliser donc une BD fonction. Donc je vais me mettre par exemple ici, formule, et je vais cliquer sur insérer une fonction. Donc vous recherchez dans la liste celle qui s'appelle BD. Donc vous en avez plusieurs BD max, BD min, BD moyenne et celles qui nous intéressent, il y a BDNB ou BDNBval. BDNB va compter un nombre de nombres et BDNBval va compter le nombre de cellules qui ne sont pas vides. Donc par exemple ici on peut compter le nombre de noms qui vérifie le critère qui est là. Donc on va utiliser plutôt ici BDNBVAL. Alors là, attention, on va nous demander donc trois choses. Où est la base de données Donc évidemment, elle va être ici. Quel champ vous voulez compter Là, il nous dit, je veux bien compter, mais dites-moi quoi Est-ce que je dois compter le nombre de noms, le nombre de domiciles travail, etc. Et le critère, bah ça c'est le plus facile, c'est le tableau qui est là. On peut commencer par celui-là. Vous cliquez ici, vous sélectionnez le petit tableau et c'est fini. Maintenant, la base de données, attention, quand vous allez sélectionner le tableau, alors regardez bien où je suis, je suis juste en haut à gauche du nom, il y a une petite flèche noire qui apparaît, et je clique une fois. Qu'est-ce qu'il fait Il écrit data, puisque le, da le tableau s'appelle data. Mais attention, si je fais ça, ça ne marchera pas. Il faut également qu'il y ait l'entête. Donc comment faire Eh bien, vous vous remettez exactement au même endroit et vous cliquez une autre fois. Donc en fait, vous cliquez deux fois à cet endroit-là. Et là, vous verrez marquer data suivi de tout. C'est-à-dire qu'il a vraiment tout pris, y compris la première ligne. Alors là, on a presque fini. Déjà, on voit même apparaître un 7 ici, sauf qu'on se dit il a compté, mais il a compté quoi Alors on va lui expliquer qu'il faut compter par exemple le nombre de noms. Donc vous cliquez sur l'étiquette. Donc euh, de nom, marqué nom, mais ça marcherait évidemment si vous prenez véhicule, ça fera pareil. Donc là, on va compter le nombre de noms, et donc il va marquer data en tête, donc c'est bien cette ligne-là, et il a récupéré le champ qui s'appelle nom. Vous cliquez sur terminer, et vous avez bien le 7 qui apparaît. Alors, dernière question, on nous demande d'obtenir le tableau de synthèse donc, qui est en dessous qui permet de compter le nombre d'employés en fonction donc, de la distance et du type de véhicule. Donc là on a les distances, là on a les types de véhicules et on compte le nombre d'employés, sachant que les distances ont été regroupées de 50 km en 50 km et qu'on a la possibilité de filtrer le tableau, donc le tableau qui est là, en utilisant donc la propriété est-ce que la personne est à 80% ou pas. Donc là on a tout le monde, donc ceux qui sont à oui ou ceux qui sont à non. Mais on aurait la possibilité de dire je veux voir uniquement ceux qui sont à 80%. Donc lorsque vous avez beaucoup de choses à compter, pensez tout de suite à un tableau croisé dynamique. Donc comment on fait ce type de tableau On clique n'importe où dans le tableau initial, inutile de sélectionner. Ensuite, vous allez dans Insertion et vous choisissez Tableau croisé dynamique. Comme on a un tableau automatique qui a comme nom Data, vous voyez réapparaître le nom ici. Donc il va placer le tableau sur une nouvelle feuille. On pourrait également choisir un emplacement particulier, donc sur une feuille existante. Je vais laisser euh, ici nouvelle feuille, OK. Donc me voilà sur une nouvelle feuille avec donc le futur tableau dynamique ici, les différents champs et il s'agit de reproduire ce qui est là. Donc on a besoin des distances au travail. Donc ça c'est domicile travail que je vais pouvoir glisser en ligne et donc vous aurez en ligne, les différentes distances qui existent dans le tableau employé. Et en fonction du type de véhicule, donc chaque véhicule est sur une colonne, donc je vais prendre les véhicules et je vais les glisser en colonne. Donc j'ai bien le visuel avec les distances et les véhicules. Maintenant, il s'agit de savoir qu'est-ce que je dois mettre comme valeur, c'est-à-dire quel est le calcul à effectuer. Donc on nous met, c'est le nombre d'employés. Donc comment compter le nombre d'employés ben, Je peux prendre par exemple le champ nom et d'aller compter combien il y a de noms par donc ici kilométrage et par type de véhicule. Alors, on obtient ce tableau là, donc qui ressemble pas vraiment à celui-là parce que on n'a pas regroupé les différentes distances. Alors, avant de faire ça, on peut rajouter donc le filtre au-dessus du tableau donc avec le 80 donc je prends 80 et je le rajoute dans le visuel ici. Donc maintenant, je vais pouvoir dire je veux voir par exemple que les personnes qui sont à 80%. Donc je vais remettre tout le monde. Alors pour grouper les données, vous vous mettez sur n'importe quelle cellule, donc ici euh, des kilométrages, vous faites un clic droit et vous choisissez grouper. Donc il va vous retrouver la plus petite valeur et la plus grande valeur du tableau. Alors là, il met 141, ce serait peut-être mieux d'aller jusqu'à 150. Et on nous disait d'aller de 50 en 50. Donc, ici j'écris 50 et je fais OK. Donc, j'ai pratiquement le visuel voulu. Il suffit ici d'aller changer le titre, de marquer type véhicule et ici distance travail. Donc, ce sujet nous a permis d'aborder différents thèmes. Donc, la fonction SI, la fonction équive avec index, les BD fonctions et de créer un tableau croisé dynamique. Voilà, à bientôt.